La France considère qu'aujourd'hui, en Syrie, des armes sont livrées, mais au régime de Bachar el-Assad, et notamment par les Russes. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes, non pas pour aller vers une guerre totale. Nous pensons que la transition politique doit être la solution pour la Syrie. Mais dès lors que nous devons faire pression et montrer que nous sommes prêts à soutenir l'opposition, alors nous devons aller jusque-là. Et c'est ce que je vais dire aussi à mes collègues européens. Et de ce point de vue, les Britanniques et les Français sont d'accord pour cette option. La France d'abord doit convaincre ses partenaires européens parce que nous sommes liés les uns les autres. Mais nous devons aussi prendre nos responsabilités. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime qui a fait la démonstration que, pour le moment, et je crois c'est suffisamment clair, il ne veut pas de discussion et de transition politique. Dans quel délai souhaitez-vous la levée de l'embargo ? Nous en parlerons avec les Européens, mais d'ores et déjà, nous avons dit que Britanniques et Français, nous étions pour lever l'embargo. Est-ce que vous avez une... Nous avons la même position là-dessus. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il y a un peuple qui est en danger. Il y a près de 100 000 morts depuis le début du soulèvement. 100 000 morts en Syrie. Alors nous devons dire à cette opposition qu'elle doit mettre de la cohérence. C'est ce qu'elle a fait. Moi, j'ai été le premier chef d'État à reconnaître la légitimité de la coalition nationale, c'est-à-dire de l'opposition syrienne, considérant qu'elle représentait le peuple syrien. Et maintenant, nous devons lui donner les moyens d'obtenir enfin gain de cause, c'est-à-dire le départ de Bachar el-Assad. Pardon ? Non, le Parlement européen a voté une résolution permettant qu'il y ait un dialogue qui s'engage entre le Conseil européen, qui a pris une position sur le cadre financier pour les années qui viennent et le Parlement européen qui, lui, veut avoir un certain nombre de conditions respectées, c'est-à-dire une flexibilité totale dans l'utilisation des crédits et aussi d'avoir une clause de révision en cours d'exercice, c'est-à-dire au milieu du cadre financier européen. Je pense que c'est une bonne base pour que nous trouvions un accord entre le Parlement européen et le Conseil européen, puisque c'est maintenant le traité qui l'exige. Et la France, elle fera en sorte que nous puissions trouver ce compromis. J'arrive. Oui, la souplesse, elle est nécessaire, si l'on veut faire en sorte que la croissance puisse être la priorité. Mais en même temps, il y a des engagements qui ont été pris, une trajectoire qui doit être confirmée. Et c'est parce que justement, il y a cet engagement qu'il peut y avoir de la souplesse, parce que la seule priorité qui convienne aujourd'hui, c'est au-delà des engagements budgétaires, la croissance. Et s'il y avait trop de rigidité, il y aurait à ce moment-là trop de chômage. Merci. Bon, d'ailleurs, il y a une autre question.